Enfin, moi, je suis payé pour interpeller des délinquants, donc... Non, je fais pas... Moi, c'est comme ça que je le vois. Je suis rentré dans la police, c'est pour interpeller des délinquants. Faire de la prévention, mais surtout de la répression. Sors le AK, j'en ai ma claque. Des keufs et de leur trac, de leur putain de cellule macabre, de leurs attaques à la matraque. Alors dis-moi qui est le plus dangereux, mon pote, entre le voyou qui roule son cône et Robocop qui roule avec son Colt. Contre l'État, que peux-tu faire à part lutter? La juge leur fait du pied, les criminels repartiront mutés. Et ainsi de suite, tous les jours c'est la même, toutes les nuits c'est la merde, car tous les flics veulent ma perte. Protège ta rue si tu la joues à la dure, quand la justice sera la seule à n'avoir pas vu la bavure. Dans ce pays, les flics te tuent et tu te tais, puis ils diront que le voleur qui roulait vite voulait les percuter. Parce que t'es jeune, t'as une casquette, tu joues les stars. Parce que pour eux, ta vie a la valeur d'une fiesta. Car plus d'une fois, j'ai vu mon sang sur mes sables. Si t'es réalité, mais TF1 n'ira pas filmer ça. Le daron flippe parce que les flics ont soif de sang. Parce qu'ils peuvent te descendre, au maximum ils feront 2 ans. Mais attention, dans la police, ils sont pas tous comme ça. Sur 10 milliards, t'en auras 3 qui doivent penser comme toi. Ça paiera dur quand les bavures sont à l'affût. Main sur le cœur pour ceux qui meurent en garde à vue. One love à tous les blocs du LOS. Et cyniquement, on s'équipe en bastos. Il y a 2 jours, il avait sévèrement blessé un jeune de la cité pendant une garde à vue. L'inspecteur a été démis de ses fonctions, mais Abdel est toujours en observation à l'hôpital. Son état est jugé grave par les médecins. Clic, clic, une balle qui part, un corps à terre, une mère en pleurs, une scène d'horreur, une bavure qui tourne à l'erreur. Un quartier qui crame, des scarlats qui s'excitent, la larme à l'œil, une vengeance ancrée dans tous les crânes. Disons que j'insiste sur le fait de dire que c'est pas légal, qu'une vie n'a pas de prix, que la foi nous protège pas des balles. Petit frère, prends garde, reste cool pendant leur contrôle. Vide tes poches, écarte les gens même si tu trouves ça drôle. Enfoiré, regarde combien ont succombé face à l'insigne. Ils sauront comment te faire tomber. Ce texte est un putain d'appel au calme, une triste réalité, car nos dégaines sont pas locales. La vie c'est pas un film, laisse-les se prendre pour des héros. Reste discret, souris-leur tout en ramassant tes euros. 9177 pour tous les ghettos de France. Au scénique pour anesthésier nos souffrances. Enfoiré, 91, 77 cinéma. Basto scénique, Los Monzas pour ma biwa. Récidive prod, enfoiré.